Tonga sy eto fandaharana sinetika dia ireto avy indray no hitantsika amin'ny tian'io ity. Ao amin'ny kino sika dia andray vahiny Itelina Randriamahaly izay nahazo mention spéciale du jury tamin'ny andiany fahavalon'ny RFC teo ary torohevitra mikasika ny sinema tsy adinaina nolotra anao izany ao anatin'ny zanam-pandaharana kino. Ao amin'ny tiki news indray dia zava-baovao roa izao no atolotra ho anao ny Samsung Galaxy Beam izay finday azo ampiasaina toy ny videoprojecteur ary koa ny fahitalavitra lehibe indrindra izay kasain'ny japonais ho avoaka amin'ny 2020. Iompana bebe koa amin'ny animation isika ao amin'ny publicitor tafatafa izay arahana amin'ny Herzubashi Hamilton iresadresaka mikasika ny toeran'ny animation anatin'ny dokam-barotra. Manambahiny isika atao amin'ny zanam-pandaharana kino hiaraka amin'ny Randriamahaly Telina izay nahazo mention spéciale du jury tamin'ny tiandian'ny fahafalin'ny RFC tia ary koa lauréat jury jeune. Miarabany Telina. Miarabany Lovatiana. Dia arak'izay nazahoanao an'izay mention spéciale du jury izay a, ahoana ny fomba fiasanao a na hatanterahanao an'iny court métrage iny tao amin'ny catégorie animation? Za aloha izany dia niezaka ny anaraka ny fomba fiasan'ny ireo matianina ny velany, izany hoe miainga amin'ny pré-production aloha izay ao daholo izany no crée an'ilay tantara, ny mitady ny endriky le personnage, ny resaka storyboard, ny animatique sy ny rehetra dia rehefa vita daholo izay rehetra izay, izay vao miditra mikasika machine amin'izay izany amin'ny production amin'izay, dia izay vao miainga amin'ny raha 3D moa izany resaka dia hoe modeline, rigine, texturine, animation sy ny sisa sy ny rendu, dia rehefa vita daholo izay rehetra izay a, dia miditra any amin'ny post-production amin'izay ilay feo. Izany hoe ohatra hoe manao montage sy ny resaka colorimétrie rehetra izany rehefa finalisation an'ilay projet mihitsy. Izay le mbola lesoka amin'ny ankizy tonga dia mampiasa machine sy... Yes, izay izao no hita hoe fahitako an'iny ny ankizy amin'izao izany hoe tonga dia variana loatra hoe tonga dia any amin'ny resaka teknika, ny machine izy no tonga dia mikasika fa ny alohan'izay rehetra hoe ny tantara sy ny etude rehetra izany tsy dia vita tsara. Mila jerena tsara aloha. Dia arak'izay misy an'i Sitraka Randriamahaly koa izay rahalahinao ihany a nahazo tamin'ny RFC andiany fahaefatra fahadimy sy fahaenina toanao ihany koa moa izay nahazo tamin'ity RFC andiany fahavalo ity a. Inona ny tena tsy ambaratelonareo amin'ny fianakaviana? Le izy angambany tsy hoe tsy ambaratelo fa voalohany indrindra aloha fitiavana an'ilay dessin animé, film d'animation, dia miezaka mianatra fe teknika iray izany. Ny anazy izao surtout any amin'ny resaka 2D izy no tena miasa fa za plutôt any amin'ny 3D kanefa andreo anankiroa ireo afaka kombinena ihany rehefa tena jerena. Dia eo amin'ilay resaka tantara koa ahoana ny fomba hifidiananareo hoe tia ny tantara ho alefa satria izay koa tena anisany hoe hitanay hoe tena nahatonga anareo amin'izao toerana amin'izao? Io moa izany be dia be ny tantara azo tantaraina dia juste hoe inspiration voaka fotsiny sady ny tsara koa izany hoe mijery dessin, karazana dessin anime be dia be na film be dia be azahoanao an'le inspiration e. Raha ohatra hoe jerena izao le film d'animation le boikely dia tena efa avo lenta ny ara-teknika izany, misy zavatra sarotra amin'ny ara-teknika fa ohatranay nahatalanjana kely ihany izany hoe tsy anisan'ireo voafidy izy tao anatin'ny andiany fahavalo iny izany a. Inona ny hitan'ny Telina mety hoe lesoka ao anatin'izay? Dia izy aloha hitako hoe tena tsara tokoa le boikely iny fa tsy haiko aloha izany ny eritreritry ny jury tamin'iny hoe inona le tena critère nitadiavana azy fa na fahitako an'azy a, ny scénario izany angamba mety tsy ampy kely. Le scénario, le tantaran'le izy en général mihitsy izany fa akoatr'izay hitako hoe tena tsara be le izy.
Itelina moa izay efa mpianatra tao amin'ny école supérieure en multimédia izay mampiofana ny amin'ny lafiny 3D sy amin'ny animation a. Inona ny torohevitra omeny telina ho an'ireo zandry izay efa ao anatin'ilay tontolo mihitsiny fa hoe te handeha lavitra izany na te hiditra ao anatina fifaninanana toy ireny RFC ireny? Ny torohevitra angambany de tsy mila kamo aloha zany fa tia mikaroka foana, tia mianatra foana satria io zany tsy tapitra fa tsy maintsy misy zavatra ianaranao foana. De ny torohevitra kely a hoe rehefa mianatra de zahana atao anatina projet iray zany le izy, ohatra hoe micré projet ianao de apartiran'iny no ampiasanao ny zavatra rehetra zay tianao atao zany, au lieu de hoe tonga de manao zavatra fotsiny de tsy hay hoe anaovan'inona iny rehefa eo. Ohatra ny hoe tonga dia manao personnage ianao dia avy eo izay voatetavinao hoe inona ilay projet asianazy? Ohatr'izay. Ok, mankasitraka betsaka ny telina ny vahiny teto amin'ny kino a, dia misaotra amin'ny torohevitra. Dia misaotra ny lovatiana dia misaotra ny mpijery rehetra koa. Thank you.
Passionné de publicité, amateur de cinéma et de télévision, intéressé par la 3D, vous aimez l'infographie, la communication et les antiques? École supérieure en multimédia, la seule école qui fera éclore vos talents. Formation DTS en multimédia, Bac plus 2, licence pro, Bac plus 3. À votre disposition des labos info, des studios vidéo et son avec des matériels de pro dans un nouveau local spacieux et convivial. École supérieure en multimédia impendre du côté de Nannes. Téléphone 24 370 04, agréé par l'État et reconnu par les professionnels. Ireto indray misy torohevitra sy fampianarana vitsivitsy mikasika ny sinema ilay efa-drasanao mihitsy ny jereo ange. Nouvel épisode du Truc, notre série ludo-pédagogique pour vous aider à maîtriser les techniques cinématographiques. Ce soir, vous saurez tout sur l'image vidéo. Aujourd'hui, le Truc s'intéresse à l'image vidéo, car nous devons l'admettre, cette technique envahit peu à peu la cinématographie. En voici donc quelques caractéristiques essentielles. Alors, au cœur de l'image vidéo se trouve le pixel. Ce petit carré lumineux qui est ici grossi 20 fois est l'élément de base à partir duquel on compose les images. Voici sa taille réelle pour ceux qui ont des bons yeux. Et voici un nuage de pixels. C'est le nombre de pixels affichables qui détermine la définition de l'image. En simple définition, dite aussi SD, deux standards principaux se dégagent. Le NTSC, standard américain, qui affiche 720 pixels en largeur par 480 en hauteur, soit 720 par 480 égale 345 600 pixels. Le PAL, standard européen, qui affiche 720 par 576 égale 414 720 pixels. La définition d'une image vidéo s'exprime en fait par ce produit hauteur-largeur, soit 720 par 576 pour le PAL. En haute définition, la fameuse HD, nous distinguons donc le HD Ready, qui affiche 1280 par 720 pixels, et le Full HD, qui affiche 1920 par 1080 pixels, et dont d'aucuns prétendent qu'il s'approche de la définition cinématographique. Voilà. Mais revenons à notre pixel et parlons maintenant de sa couleur. Elle est obtenue grâce à la synthèse additive qui permet d'obtenir toutes les couleurs à partir de trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Identifiées par les initiales des mots anglais, R pour red, G pour green, B pour blue, ce système RGB est utilisé par la plupart des ustensiles vidéo qui reproduisent ou captent des images. Voilà qui paraît simple, mais qui ne l'est pas du tout. Car ces informations RGB sont trop volumineuses pour les tuyaux de diffusion ou les supports d'enregistrement. On a donc inventé toute une série d'astuces pour compresser le RGB, en voici les principales. Le YUV, dit aussi composante, qui décompose le RGB en une information de luminance et deux informations de couleur compressibles à volonté. Il reste très proche de la qualité RGB lorsqu'il est peu compressé. Le YC, dit aussi S-Vidéo, qui décompose le RGB en une information de luminance et une information de couleur. Évidemment, on y perd quelques couleurs, hein. Et le CVBS, dit aussi composite, qui compresse le RGB en une seule information. Inutile de vous dire que le RGB y est particulièrement maltraité, mais c'est pourtant ce type d'images qui vous parviennent en général par les voies hertziennes. Parlons enfin d'une autre particularité de l'image vidéo, la trame. Pour des tas de raisons historiques très compliquées, l'image vidéo traditionnelle est en fait composée de deux demi-images qu'on appelle des trames. Une première trame affiche toutes les lignes impaires de l'image, et l'autre, les lignes paires. Ainsi, si nous prenons l'exemple du format PAL, dont la définition est de 720 par 576 et qui prétend afficher 25 images par seconde, il affiche en fait 50 trames par seconde, dont la définition est deux fois moins élevée. Et oui, c'est la succession rapide des deux trames qui permet de reconstituer l'image entière. Cette supercherie s'appelle l'entrelacement. Avec l'apparition des technologies numériques, on arrive maintenant à afficher des images entières non entrelacées, qu'on appelle des images progressives. Mais la supercherie persiste, pour réduire certains coûts de fabrication par exemple. C'est pourquoi vous verrez apparaître sur les spécifications techniques du matériel high-tech les lettres P pour progressive ou I pour entrelacée, interlaced en anglais. Voilà. On récapitule. L'image vidéo est en fait un amas de pixels. Sa définition s'exprime en pixels par le produit de sa largeur par sa hauteur, créé par synthèse additive du rouge, du vert et du bleu, compressé en de multiples formats pour assurer sa transmission, elle comporte parfois des trames entrelacées. À bientôt pour un nouveau truc!
Ireto indray misy fitaovana vaovao be atolotra eo anareo anisan'izany ny Samsung Galaxy Beam izay finday misy pico projecteur ahafahanao mamelatra ny sary eo amin'ny toerana lehibebe kokoa toy ny rindrina na ny plafond na koa eny amin'ny arabe. Jereo ngefa tena mahatalanjona ny sary avoakany. Ça vous arrive-t-il d'avoir de la difficulté à regarder le contenu de votre téléphone, en particulier les images et les vidéos à cause de la résolution réduite de votre écran? Eh bien, aujourd'hui, voici un smartphone équipé d'un Pico projecteur qui est le Samsung Galaxy Beam qui permet de projeter sur un mur tout contenu présent dans le téléphone. Le Pico projecteur d'une puissance de 15 lumens peut projeter une image nette équivalente à un écran de 127 cm de diagonale. Et bien que la qualité de l'image soit honorable dans une pièce éclairée, il est toutefois recommandé de regarder la projection dans un lieu sombre. Samsung a intégré plusieurs fonctionnalités comme l'interface QuickPad qui affiche le pointeur d'une souris sur l'écran du smartphone qui est très utile. Donc, on peut de même projeter une page web et se servir du Galaxy Beam comme souris. Ity fahitalavitra jerentsika manaraka ity indray dia lehibe dia lehibe tokoa. Anisan'ny kirakirain'ny japonais izy ity ho avoaka amin'ny 2020. Grand écran plasma super HD mode, izay no anarany. Ary ny définition dia 8K sy 4K be izao, tena mahatalanjona tokoa. Zareo ngeha efa nadiadiana e? Nombreux écrans plats ornent actuellement la place du marché, mais aujourd'hui, voici le prototype du plus grand écran plat super HD du monde. Développé par les constructeurs japonais Panasonic et NHK, ce produit est prévu d'ici 2020. 7,860 horizontally and 4,320 vertically, and a frame rate of 60 frames per second. This display uses a new drive system to stabilize the picture throughout the panel. Sa résolution d'image est 16 fois supérieure aux écrans HD actuels. Cet écran Super HD fait 3,7 mètres de diagonale qui aligne les pixels au pas de 0,4 mm. 1.6mという距離で見ていただきますと、あたかも実物が目の前にあって、3D技術は使ってないんですが、立体感がある。まさに絵の中に没入していけるとそういう実力を秘めたものだというふうに思っています。 This is the world's first ultra-high-definition plasma display. As the pixels of a plasma display are self-emitting, it has a superior viewing angle. Sa résolution d'image est de 33 millions de pixels contre 2 millions de pixels pour les écrans plats actuels. Bien que cet écran plasma géant n'utilise pas la technologie 3D, l'image ultra réaliste offre une immersion bluffante et donc un effet 3D époustouflant, mais sans lunettes. Atao mi-publicité ao moa dia sehatra iresahana misimisy kokoa ny dokam-barotra dia manambahiny tsika androany Iasoa Bashir Hamilton miarabany Bashir. Miarabany Louvatine. Izy moa tompony sady nanangana ny Gaz Creative izay studio de production mifantoka manokana ny amin'ny animation. Inavy moa ny izany atao hoe karazana animation aloha Bashir? Misy karazany maromaro zany ny animation. Misy ny animation 3D, misy ny animation 2D, 2D vectoriel, misy ny animation 2D traditionnel, misy ny stop motion. Maro ilay karazany fa presque ataonay daholo zany rehefa resaka animation. Inona no nahatonga anareo hifantoka manokana ny amin'ny animation amin'ny dokam-barotra mihitsy? Ilay izy aloha zany voalohany indrindra ny passion
passion efa atrambola kely a mankafy dessin animé sy resaka animation dia rehefa nelehibe zany dia noalaliana la izy a dia nianarana ka natonga ny hoe hifantoka manokana amin'ny resaka animation zany a tamin'izay nitomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo mbola vitsy ny tena hoe studio d'animation zany teto studio de production mipetsaka dia nifantoka manokana zay zany amin'ny resaka animation a miara-miasa amin'ireo studio production efa nisy tamin'izany aiza ho aiza moa zany ny toeran'ny animation amin'ny dokam-barotra eto Madagasikara ehe tanatin'ny taona vitsivitsy zay nahazovahana tokoa ny resaka animation teto Madagasikara ny tena tombony mantsy dia satria izy a misarika ny lehibe sy ny ankizy izay tombony mihoatra ny ataoko hoe dokam-barotra video tsotra zany aiza ho aiza koa ny gasy kreativa moa no misy anao zany aiza ho aiza mifenitra iraisam-pirenena ny production avoakanareo ny dokam-barotra na ny oronatsary fokarin'ny gasy kreativa zany dia azo lazaina hoe manaraka ny norme international ihany satria maro ireo dokam-barotra ataonay ho an'ireo opérateur mobile izay tsy maintsy mandalo validation any ivelany izany hoe matoa zany ny pub ataonay validé any ivelany zany a dia azo lazaina hoe fa manaraka ny norme international tsy izay ihany koa fa tamin'ny taona 2020 zany zay zao a nanao filma d'animation ho ana orinasa any Allemagne izay nandalo ataoko hoe appel d'offre zany dia izay ny lany matoa zany zay lany a amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia azo lazaina hoe fa manaraka norme international ny vokatra ataonay Soulou, Général Fredenberg. Ça fait combien de temps déjà? 2 ans?
tambreny ambola teo ambany baikonao tany anaty. Parlant de guerre, vous êtes en possession d'une chose qui appartient à l'armée française. Quand vous ne servez plus à la patrie, nous tenons à les récupérer. Non, fanandramanana taonareo tamiko dia tsy maintsy mitsindrona ny lisy isan'andro aratsy teo foaty. Tapitra vao nampiasaiko vo teo ny farany tamin'le izy. Maria tsika moa izany fa Ibashi dia lauréat tamin'ny 2020 tamin'ny RFC andian'ny fafito dia nahazo fiofanana tany La Réunion tany Liloay izy ahoana ny tapahaizan'ny Malagasy amin'ny sehatry ny animation izany mihoatra amin'ireo vahiny. Eny, lovatiana za zany samy mihitsy miteny fa isika Malagasy dia manam-pahaizana raha sehatry ny animation aloha ny resahana. Ka raha ohatra hoe ampitahaina amin'ny vao hitako tany izany dia tsy mihena ny tany mihitsy isika Malagasy. Ny ataoko hoe indro kely fotsiny izany mahasamihafa azy zareo manana mpampianatra manana traikefa izay tena miasa amin'ireo production na long métrage ireo mihitsy. Fa isika Malagasy moa izany mbola vitsy ny tena hoe mpampianatra manana izay traikefa izay. Ka ny fotoana hatongavana amin'ilay niveau fotsiny izany mahasamihafa azy faran'ny niveau aloha izany dia tena zakatsika Malagasy ny andrareo vahiny. Manome fanantenana izany. Dia ao anatin'izay koa rehefa manao vokatra nareo ahoana moa ny fomba hamoronana anareo an'ireny scénario ireny raha ohatra hoe hanao an'ireny animation ireny publicité? Izay moa izany amin'ny hoe miara-miasa amin'ny agence maro dia indraindray zareo no mamorona ny scénario dia manatotosa fotsiny izay. Fa indraindray izahay mihitsy no mamorona ny scénario sy ny conception izany. Ka rehefa ohatr'izay ilay izy dia manao fikarohana aloha izay hoe inona ny pub efa misy manodidina an'io produit io. Dia avy eo izay mamorona script na scénario mifandraika amin'izay izay validen'ilay client. Avy eo rehefa vita ilay script dia manao storyboard izay. Eto izany tiako marihana hoe ny asana animation izany dia misy asa manatombo asa izy par rapport amin'ny vidéo tsotra. Satria moa izany rehefa vita ny storyboard dia mbola misy ny atao hoe animatika. Ilay storyboard iny izany atao montage ikalena ny timing sy ny son. Dia avy eo manao layout izay miatrahana ny mouvement de caméra sy ny cadrage rehetrarehetra satria moa izany virtuel daholo izany rehetrarehetra izany. Dia izay vao miditra amin'ny animation. Rehefa vita ny animation mbola misy resaka lumière, rendu, compositina, izay vao manao montage indray manao mixage, post-prod audio, any vao misy produit final. Eo amin'ny firy andro eo no hikarakaranareo raha ohatra hoe moka vokatra anankiray nareo? Ny tena marina aloha izany raha ohatra hoe raha manaraka fepotoana normal izany izay dia tokony eo amin'ny 4 semaines eo ny manao pub na 30 secondes amin'ny animation. Fa matetika izay 4 semaines izay tsy izay ilay izy satria matetika ny client mametra an'ilay fotoana dia tsy maintsy fitaina alohan'izay foana ilay izy izany hoe anatin'ny 3 semaines na 2 semaines fa tsy miasa adiny valo isan'andro intsony izany izay amin'izay fa mihoatra lavitra. Ho an'ireo tanora maro izay liana hiditra ao anatin'izay resaka fanaovana dokam-barotra izay amin'ny sehatry ny animation dia inona torohevitra omeny Ibashi? Ny torohevitra omeko ny tanora izany dia tsotra e. Rehefa manao zavatra na tsy amin'ny animation ary dia izao atao tsara foana ilay izy. Aza ilay vola no atao mamaika fa ny qualité aloha enjehana. Rehefa tsara matsa zavatra ataonao dia miverina aminao foana ilay client izany. Dia iny koa izany ny a défi personnel izany tiako apetraka hoe mba hafa ny fijerin'ny olona an'ilay hoe vita gasy. Ataoko hoe vita gasy mihitsy satria hoe vita Malagasy satria ny olona mantsy rehefa hoe vita gasy dia ratsy izay. Fa tiako gardena foana izany izay hoe vita gasy izay fa mba hoe zavatra tsara izany vita gasy izany.
Mankasitraka ny Pasia ny vahiny teto amin'ny publicitaire, nahafinaritra be ny resadresaka tafatafa mikasika ny animation, ny dokam-barotra, dia mankasitraka be dehibe. Saotra betsaka ny Lovatiana, saotra betsaka ny fandarana sinetika koa nanasa, ary misy manateny izay fa izay torohevitra kely netinay teto mba hanentana an'ireo tanora marobe izay liana amin'ny resaka animation. Mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany raha misy fiaraha-miasa irinao iarahana amin'ny sinetika dia afaka mandefa mailaka ianao ao amin'ny usmsinetik@gmail.com izay misoratra eo ambany ihany koa moa izany ary raha ohatra tsy naraka ny fandarana hatramin'ny farany ianao dia afaka verinao jerena ilay izy ao amin'ny pageny Facebook Sinetika USM dia mandrapitafa indray ary. Passionné de publicité, amateur de cinéma et de télévision, intéressé par la 3D, vous aimez l'infographie, la communication et les antiques? École supérieure en multimédia, la seule école qui fera éclore vos talents. Formation DTS en multimédia, Bac plus 2, licence pro, Bac plus 3. À votre disposition des labos info, des studios vidéo et son avec des matériels de pro dans un nouveau local spacieux et convivial. École supérieure en multimédia à Pindre du côté de Nannes. Téléphone 24 370 04, agréé par l'État et reconnu par les professionnels.